Tu nous as lancé? Non. Vas-y, on peut lancer. Salut les Green Movers! Hello les amis! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Tout à fait, nous on va très bien en ce mardi soir venteux de janvier. Coucou Étienne, coucou les autres. Hello Étienne! Présentons la séance. Présentons moi aussi, la séance. Je perds mes mots. Donc déjà, juste avant de présenter la séance, on rappelle ce qu'est en deux mots le concept du cross-training naturel. On vient emprunter des mouvements basiques, des actions fondamentales, telles que la quadrupédie, les marches d'animaux, les jeux, etc. Et on vient les mettre dans du cross-training, donc du cardio et du musculaire assez fort. Mais on aime bien aussi mettre des petites touches d'équilibre, des choses assez ludiques. Et aujourd'hui, on a un thème animalité, justement, sur les marches d'animaux et inversion, parce que aussi les inversions font partie intégrante du mouvement, parce qu'on on emprunte également des mouvements au mouvement naturel et à la... Coucou Renaud. Hello Renaud. Et bonne année, bonne santé surtout. Du coup, sur le thème animalité, aujourd'hui, on va avoir un accent qui va être mis sur... l'instinct animal, on va dire, avec les déplacements un petit peu reptiliens, mais aussi les inversions, comme on vous l'a dit. Donc après l'échauffement, donc pour le coup en l'occurrence là, parce que on va faire des inversions sur le coup, on va faire un défi. Je me demandais de quoi t'allais parler. Un défi 3 minutes tête en bas.
Vous en faites pas, si vous avez jamais mis la tête en bas, on va y aller progressivement. Pas de panique, pas de panique. Ça va bien se passer. Et après, la particulière de cette La séance, particulière? la particulière de cette Bon, on séance, va se détendre. je suis pressé, les amis. Je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. La particularité de cette séance d'aujourd'hui, ça va être qu'il y aura deux WOD. Un WOD animal, on va dire, donc où il n'y aura que des marches d'animaux. Ça sera 10 marches d'animaux à enchaîner quasi non-stop pendant 10 minutes. Et le deuxième WOD, ce sera l'un des pires que il m'ait été offert de pratiquer, à savoir le 7 minutes burpees. Donc ça paraît tout simple et tout con comme ça, C'est mais pas long, hein, c'est 7 minutes. 7 minutes bagatelle, après on rentre, on va se coucher. Voilà. Mais 7 minutes burpees, ça pique. Tout à fait. Piquante, ces petites merguez. Piquante, comme on dit chez nous. Mélissa, tu nous fais un petit warm-up? Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Tu les as renvoyés en salle Ouais, je les d'attente. ai renvoyés. Allez, Ok, c'est je vous parti. invite à trottiner sur place déjà. Tranquillos, pépélos. Encore une fois, on vous propose un warm-up, mais c'est à vous, si vous vous connaissez, de faire l'échauffement pendant 5 minutes que vous désirez. Vous avez vu, on a changé de décor. Tadam! Et donc, pour cette petite course, n'hésitez pas à amener les épaules à droite, enfin à jouer des. C'est quoi À l'expression des jouer gens? des épaules, non? À quoi? Comme À les rouler chats, des mécaniques? à rouler des mécaniques. À rouler N'hésitez des pas à rouler des chars? mécaniques, voire faire l'orang-outan comme vous savez si bien le faire maintenant. Voilà, comme Benjamin Leveau vous le propose. L'idée, voilà, c'est de partir sans tension. Et vous pouvez faire des petits rebonds en laissant complètement aller les épaules et les bras, aucune action là-dedans, juste les genoux qui se plient et qui se tendent doucement. Et ça va avoir pour effet, vous voyez, vous entendez ma voix, de vous faire rebondir et de détendre le haut du corps. Et on va maintenant échauffer les épaules. Donc je vous invite à faire des grands cercles avec les deux bras en même temps, doucement pour l'instant. Pensez bien à souffler pendant tout l'échauffement, pendant toute la séance. Donc au début, ça peut être une petite amplitude. Et puis au fur et à mesure, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin tout en amenant la conscience dans les épaules et en ne faisant partir le mouvement qu'avec les épaules. Évitez de cambrer par exemple et d'arrondir le dos. On essaye que le dos soit droit, immobile et qu'on n'ait que les épaules qui s'échauffent. Parce que les épaules, on va en avoir un petit peu besoin aujourd'hui. Et puis on va changer de sens. Et on essaie d'aller de plus en plus loin, c'est ça? Tout à fait. Moi, je sais que ce qui est dur pour moi, c'est d'avoir les deux bras vraiment à la verticale. Je manque de mobilité ici. Et c'est important d'avoir cette mobilité quand on veut travailler l'équilibre sur les mains. Ou tout simplement, avoir une mobilité d'épaule, c'est pratique tous les jours. Lorsque l'on veut, par exemple, on est sur le canapé, on va aller chercher un truc derrière, ah ben, c'est super utile d'avoir une bonne mobilité d'épaule. Ok, et maintenant pour terminer sur les épaules, vous pouvez faire des ronds un petit peu plus rapides avec les deux bras en mettant une petite flexion de genou pour envoyer le sang rapidement dans les mains, rapidement dans les bras. Dans un sens et dans l'autre. Se mettre des claques. Faut attendre qu'un conce. Aïe, à la vitesse. Elle a pris un coup. À la vitesse que vous voulez. Ok. On relâche et puis on va échauffer un petit peu les cervicales. Laisse-la tranquille, toi. Pour les cervicales, on va regarder à droite et à gauche. Rapidos. Faites attention dans les cervicales à ne pas aller trop loin au début. Ou de toute façon, si vous ne le sentez pas, n'allez pas trop loin. Au bas maintenant. Pensez à souffler. Et on va faire des ronds, des cercles vers la droite. On en fait deux, trois. Et vers la gauche. Pensez bien à souffler, à respirer. Et à la fin de votre troisième cercle, vous allez enrouler la colonne et aller jusqu'au sol en enroulant complètement vertèbre après vertèbre. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes ni même d'aller toucher au sol. Dans tous les cas, essayez de bien enrouler les vertèbres et puis vous déroulez en empilant les vertèbres les unes sur les autres. Et on recommence une dernière fois. Ok, une fois debout, on va faire un petit peu les hanches. On fait des ronds, des cercles, à droite puis à gauche. N'hésitez pas à explorer s'il y a des endroits où vous sentez que ça vous fait du bien.
N'hésitez pas à y rester, à faire des petits va-et-vient. C'est vraiment vous qui modulez votre échauffement. Et on va aller tout de suite au sol. Pardon, non. On va rester au sol. Ah oui. Et puis on va échauffer un petit peu les poignets et les doigts. Donc ça va être tout simple. On va faire comme si on jetait un sort à quelqu'un qui est devant. Sauf que quand on va jeter le sort, on va essayer d'avoir les doigts qui sont très grands ouverts. Et on revient. Et on va le faire rapidement. Voilà, Benjamin se met de profil pour vous montrer. Part sur 20 secondes, c'est ça? Oui. Dès que je sentirai que ça chauffe. Donc c'est tout con comme exercice, mais ça permet de travailler le grip, l'appréhension dans les doigts, dans les poignets, dans les mains. Pensez à respirer. Si c'est trop rapide que vous comprenez plus ce que vous faites, ralentissez. L'idée, c'est d'essayer de passer de fermé à grand ouvert rapidement. Ça brûle. Ouais, ça brûle dans les avant-bras, dans les poignets. Surtout que moi, j'ai ma main gauche, main droite. Qui sont pas en même temps. Pas du tout coordonnées. J'ai pas l'habitude de faire de jeter des sorts. Et ok, on relâche et on va se mettre à quatre pattes pour finir d'échauffer la colonne. Tu te mets de face. Allons-y comme et ça. Et on va faire du chat et de la vache. On commence avec les animaux. Donc la vache, elle inspire. On va faire une extension de la colonne, faire un creux dans la colonne. Et à l'expire, on fait le chat. On arrondit le dos. Donc au début avec une petite amplitude. Et puis au fur et à mesure, vous pouvez agrandir l'amplitude. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Et de grandir votre colonne avant de chercher à aller cambrer ou arrondir. On le rappelle, on aime bien démarrer on aime bien démarrer nos entraînements avec de la mobilité articulaire, enfin de la mobilisation articulaire, pour mobiliser les principales articulations dans les amplitudes dont elles n'ont pas forcément l'habitude, à des fins en fait d'avoir des articulations en bonne santé, les utiliser dans toute leur amplitude. Et en dernier, avant de faire l'échauffement des poignets rapidos, on va aller chercher avec les hanches sur la droite puis sur la gauche. Donc dans l'amplitude que vous voulez, ça peut être léger ou alors vous pouvez carrément aller chercher quasiment sur le sol avec le côté de la fesse. On peut regarder derrière ou pas? Oui, tout à fait. Si vous voulez prolonger le mouvement jusque dans le haut de la colonne, vous pouvez accompagner. Donc quand vous allez à gauche, vous amenez le regard vers la gauche. Quand vous allez à droite, vous amenez le regard vers la droite. Pour faire une virgule avec la colonne. Doucement. Et puis, on va revenir à quatre pattes et échauffer les poignets. Donc, vous pouvez faire des petits tours avec les poignets. Explorer encore une fois. Pendant toute la séance, on va vous demander, et nous aussi, on va essayer de se concentrer sur ça. On va vous demander de vous concentrer sur la sensation sous les doigts. Pendant que vous allez faire vos quadrupédies, pendant que vous allez faire dès que vous allez mettre la main au sol, essayez de vous concentrer sur la sensation des doigts et la sensation de grip qu'il peut y avoir alors qu'on est sur un sol plat. On peut avoir du grip même sur des mains complètement tendues. Donc je te coupe avant que tu continues. Okay. On passe au dernier exercice pour les poignets, donc les doigts devant soi. Et on va faire des petits tours, des petits ronds autour des poignets. Sans décoller la main du tapis. Donc vous pouvez rapprocher les genoux si c'est pour enlever un petit peu de poids si c'est difficile des mains. Sinon, vous restez à quatre pattes. Et puis pareil, vous explorez à droite et à gauche pour commencer à mettre le poids sur les mains. Pensez bien à souffler, à respirer. Et on peut se relever, faire des petits ronds avec les poignets. Et je laisse Benjamin passer au défi. Ok, avant de partir sur le défi, je vous invite à vous mettre au sol. Allongez-vous et faites quelques culbutos. Moi, je sais que avant de commencer un training, ça me permet de partir sur une bonne base au niveau des vertèbres. J'ai failli m'en prendre un dans la tronche. Un kick. Donc moi, je sais que quand je me mets allongé comme ça, Ça me détend et ça me prépare très bien pour démarrer avec un dos bien, bien en ligne, bien droit. Oui, voilà, donc essayez de faire quelques culbutos. Si vous avez un tapis, c'est plus aisé. Et si vous ne voulez pas faire de culbutos, vous pouvez faire un petit peu des torsions là, en amenant les genoux sur la droite, le regard vers la gauche et inversement. Tout à fait. L'idée, c'est de partir avec un dos le plus neutre possible. Et vous pouvez même rapprocher les genoux, masser les lombaires sur le tapis
en faisant des cercles avec les mains. C'est comme bon vous semble. Tout à fait. Alors, on part sur le défi du jour, les amis, qui est censé nous pousser vers une adaptation à la tête en bas. Donc, sauf si vous avez vraiment l'habitude de vous mettre la tête en bas. Quand on se met la tête en bas, on a le sang qui monte au cerveau, on n'est pas bien et on trouve ça très inconfortable. Néanmoins, c'est un mouvement qui est très utilisé dans beaucoup de sports et qui a des bienfaits. Donc, les bienfaits, ça va être d'avoir une bonne circulation sanguine et lymphatique, puisqu'on a vraiment la tête en bas et donc on a une inversion du poids du sang. On a également... Vous pouvez trottiner en attendant. Vous pouvez continuer à trottiner, voilà. On ne relâche pas la tension. Voilà, on a l'équilibre aussi qui va travailler avec l'oreille interne qui est complètement mise à l'envers, donc c'est intéressant. Il y a quelques contre-indications, par contre, si vous n'en avez jamais fait, donc déjà, on va y aller progressivement. 3 minutes, c'est vraiment si vous sentez bien. Les contre-indications, ça va être par exemple si vous avez un glaucome, de l'hypertension, si vous êtes en période de menstruation, si vous avez des problèmes de cervicale, parce qu'on va se reposer la plupart du temps sur la tête, demandez un avis à votre médecin pour savoir si vous pouvez les pratiquer ou non. Sinon, on démarre. J'ai besoin du chrono. Pas tout de suite, là on va faire juste... Donc il y aura 2 postures aujourd'hui pour la tête en bas. Avant de pratiquer la 3 minutes tête en bas, enfin d'essayer de pratiquer cette inversion de tête en bas pendant 3 minutes, je vous invite à vous mettre dans la position du dauphin. Le dauphin, c'est en fait on se met comme si on était à 4 pattes, sauf qu'on a les coudes au sol, et on vient planter nos pieds dans le sol et on lève les fesses au ciel. Et là, on a une première inversion, donc la tête ne touche pas le sol. On a les coudes qui nous servent d'appui. Et là, on regarde entre nos 2 chevilles. On regarde nos 2 talons. Pensez à bien repousser dans les épaules. On respire. Et voilà, on a fait une première inversion aujourd'hui. Bravo! Voilà, bravo, c'est fini. On remballe. Rideau, c'est parti. Non, c'est une première inversion. En général, la première, elle fait tout de suite monter le sang au cerveau. La deuxième, elle sera plus confortable. Donc, l'idée... Ça va être soit de faire cette inversion-là pendant 3 minutes en alternant, je fais une pause, quelques secondes, j'y retourne, ou tout d'un coup, hein, si vous voulez. Donc ce mouvement-là du dauphin, ça peut aussi être le mouvement du headstand. Donc l'idée, c'est d'avoir les 2 mains écartées un peu plus larges que les épaules, de poser la tête devant, à bien 20 cm devant le bout des doigts, et de pousser sur les pieds. Et là, vous êtes en headstand avec les pieds, hein, et vous pourrez rester dans cette position si ça vous fait pas mal à la nuque. Et pour les plus chevronnés, vous pouvez commencer aussi à décoller les pieds du sol, les mettre sur les coudes par exemple. Et après, si vous êtes vraiment habitué avec ce mouvement, vous pouvez venir en headstand classique. Voilà. Donc là, ce sera l'objectif 3 minutes. L'idée étant que dès que vous sentez que ça va pas du tout, vous avez mal soit au cou, soit aux épaules, soit vous voyez noir ou vous sentez pas bien, vous relevez, marchez, vous laissez le sang revenir dans l'ordre. Alors, petite précision au niveau du placement des mains, plus vous allez placer les mains loin de la tête, donc là si vous avez les mains sur la même ligne que la tête, vous aurez du mal à tenir l'équilibre. Plus vous avez les mains loin de la tête, plus grand sera le triangle entre vos 2 mains et la tête et vous pourrez donc monter plus facilement. Et puis deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que si vous avez envie de tester, déjà vous pouvez essayer avec un mur derrière vous. Et puis si vous avez envie de tester de monter, n'essayez pas de kicker. Essayez de monter une jambe et d'amener les hanches. Autant pour moi. D'amener les hanches au-dessus de la tête et vous verrez que votre deuxième pied décollera tout seul. Voilà, même si là, on va pas forcément chercher à faire de l'équilibre aujourd'hui. Hein. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire un challenge 3 minutes headstand en équilibre. Voilà. Mais là, c'est vraiment l'objectif, c'est s'habituer à la tête en bas. Donc, essayez de ne pas vous embêter avec les problèmes d'équilibre. Voilà, je donnais juste C'est ça. Si vous voulez, c'est des petits tips. Si vous voulez essayer, au moins vous savez que vous pouvez vous mettre devant un mur ou un lit. Vous pouvez tomber en pont sur le lit. Un canapé, et puis n'essayez pas de kicker les kicks, on les garde pour la suite, mais explorez à votre guise aussi, et surtout ne vous faites pas mal. Ok,
On va partir du coup sur les 3 minutes. Encore une fois, si au bout de 15 secondes vous ne vous sentez pas bien, vous redescendez, vous respirez et vous y repartez pour pratiquer tout au long des 3 minutes. Mais si vous êtes chaud, vous faites les 3 minutes. Là, c'est parti pour les 3 minutes. C'est parti pour les 3 minutes. Je prends un chronomètre, même si je ne sais pas où on l'a rangé. Je s'en occupe. Notre chronomètre, voilà. Alors. C'est good. C'est good. Alors. Les amis, prenez place. Donc, encore une fois, vous pouvez utiliser la version dauphin. Pendant les 3 minutes, vous restez en dauphin, vous reposez quand c'est trop dur dans les jambes, dans les bras, pardon. Et si les bras sont morts carrément, ça sera chandelle. Voilà. Vous pouvez vous mettre en chandelle. Là, vous avez quasiment la tête en bas, même si vous regardez le plafond. Ça vous peut avez être... au moins le sang qui monte. Voilà, ça va, tout ça, ça va quand même faire enclencher les mécanismes d'adaptation à l'inversion. Okay. Eh bien, on part dans 10 secondes. Eh ben 10. 9. Tu veux te mettre 8, 7, 6. Moi, je vais m'adapter. 4. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Je me mets comme ça. Comme ça, je vous vois. Voilà, je ne m'embête pas. Je suis pied contre le mur. Si vous avez mal à la tête du fait du contact avec le sol, mettez un petit coussin ou un petit tapis. Et respirez. Respirez bien. Et si au début la sensation de sang qui monte à la tête vous dérange, pas de panique, c'est normal. Après, plus on pratique, moins la sensation est dérangeante. D'ailleurs, petite anecdote, si vous restez plusieurs minutes comme ça la tête en bas, vous verrez que vous n'aurez plus l'impression d'être à l'envers. Vous aurez l'impression d'être dans le bon sens, quoi. Tout à fait. Alors, l'adaptation à l'inversion, ça prend un petit peu de temps, mais ce n'est pas non plus énorme. C'est-à-dire que si vous en faites, allez, deux fois par semaine, deux, trois fois par semaine, au bout de... Allez, au bout d'un mois ou deux, vous allez vraiment sentir la différence et vous aurez plus ces problèmes de... J'ai le sang qui monte à la tête, je me sens tout rouge, je me sens tout gonflé, etc. Et ça deviendra même plaisant. Ah ! Quelqu'un nous a rejoint. Ah, bienvenue à toi, cher ami. Encore une fois, hein, faites pas les fifous. Nous non plus, on ne fait pas les fifous. Si on sent que là, les vertèbres cervicales morflent ou qu'on a trop de sang dans la tête, on redescend. Et on peut tout à fait... prendre la posture du dauphin. Respirez bien. Je pense qu'on est à peu près à la moitié, là. On est à plus de la moitié, en effet. On est à 2 minutes. Il reste 1 minute. Respirez, oxygénez. D'ailleurs, si une séance complète d'une heure spéciale inversion vous intéresse, n'hésitez pas, juste après les 3 minutes, à nous mettre en commentaire. Et on pourra peut-être, si vous êtes sage, vous préparer ça. Et ceux qui veulent finir avec du handstand contre le mur, c'est possible aussi. Hein. On ne l'a pas précisé, mais dès le début, vous auriez pu aussi vous mettre en handstand. Handstand, les mains. Au sol. Disons que end stand, donc avec les mains, pendant 3 minutes, ça crame les épaules. Et là, on n'avait pas forcément envie de vous les faire cramer, sachant qu'on va partir sur 7 minutes burpees pour ceux qui nous rejoignent. Et il reste 5, 4, 3, 2, 1, et on redescend doucement. Doucement, on essaie de ne pas se relever d'un seul coup. Tout de suite, vous mettez à la posture voilà, de l'enfant. Cette inversion, c'est vraiment le symbole de sortir de sa zone de confort, tant c'est pas naturel pour nous en général. Puis c'est aussi le symbole de Green Motion, quand même. Tout à fait. Allez. Respirez, buvez un coup. On va partir sur le WOD d'ici quelques secondes. Prenez le temps. Voilà, prenez le temps parce que... N'hésitez pas à vous étirer. Le coup, évitez de le faire... craquer dans tous les sens.
Mobilisez-le simplement. Les épaules, si elles ont un petit peu chauffé aussi, vous pouvez les mobiliser. Et je vous explique rapidement le WOD, le premier WOD qui va se dérouler tout de suite, qui va mobiliser, faire appel à 10 marches d'animaux à la suite cette fois-ci. Donc on va les montrer rapidement avant le WOD et ensuite on va les enchaîner. Donc ça sera 50 secondes de marche d'animal, 10 secondes de repos et on passe à la suivante. Ça va faire 10 minutes, un WOD de 10 minutes. Mais ça ne sera pas un effort cardio, ça sera un effort en résistance musculaire, vraiment. Donc ça devra normalement vous faire chauffer les muscles et bien vous préparer pour le gros moment de cette séance qui sera le burpees 7 minutes. On vous le rappelle au cas où vous l'aviez oublié. Alors, Benjamin, peux-tu nous montrer s'il te plaît la première marche d'animal ? Première. Le crocodile, comment on disait quand on était petit ? Le crocodile. Tu sais, comme les bestacs, comme on disait, crocodiles. Je ne sais plus si vous en rappelez. Si les crocodiles. Les crocodiles. Voilà, alors, le croco, mais tu ne veux pas le faire parce que tu fais le WOD derrière. Justement, je te laisse le faire. Ah, d'accord. Le crocodile, donc on part à quatre pattes, on plante les pieds dans le sol, on soulève les genoux, et dans cette position, on vient faire une marche. Donc on amène le pied gauche, par exemple, à 90 degrés devant, et si on est motivé, on fait une pompe. Ensuite, on revient dans la position de base et on tourne de l'autre côté et on fait une pompe de l'autre côté. Si on a de la place, on peut aussi marcher hein, avec ou sans la pompe. Là, c'est que nous, on n'a pas assez de place pour vraiment marcher, mais Lisa, je pense qu'elle va le faire en marchant. Vous pouvez marcher avec ou sans la pompe. Encore une fois, c'est à vous de gérer. Donc ça sera le croco, donc j'espère que vous l'avez fait en même temps que moi, le croco, on l'a déjà vu, sinon vous pouvez choisir la version qui vous va le mieux pour essayer de tenir les 50 secondes. Ensuite ce sera le crabe, tout simplement le crabe. On se met, on s'assoit sur le sol, on plante les mains derrière soi et on vient se grandir pour sortir la cage thoracique vers le haut et on lève les fesses d'une dizaine de centimètres. Et là dans cette position, on va avancer, reculer. N'hésitez pas à trottiner hein, pendant que Benjamin vous montre. Si vous n'avez vraiment pas beaucoup de place, vous pouvez aussi faire des tours sur place, dans un sens, dans l'autre. L'important ici, c'est d'essayer de ne pas avoir les épaules dans les oreilles, mais vraiment d'utiliser l'abaissement de l'omoplate pour avoir les épaules basses. Oh, quel beau redressement de l'omoplate. Passif, actif. Voilà, donc ça, c'est le point important ici. Ensuite, troisième mouvement, ce sera le chat. Le chat, on le connaît, on commence à le connaître, hein. On part de quatre pattes et c'est plus droit. Il n'y a pas de rotation comme dans le croco, c'est vraiment, là on a notre chat sur notre gouttière et on avance, on recule. On peut aussi faire en rotation sur place. Le chat aussi, le point important ici, c'est de bien repousser le sol avec les omoplates pour pas les avoir dans les oreilles. Et puis bien serrer les abdominaux, impliquer les transverses, le périnée et ne pas cambrer. Ensuite, ce sera le canard. Le canard, je vous invite à le faire en même temps que moi. La version normale, on va dire, c'est cette marche-là, avec le dos le plus droit possible. Mais cette marche-là, elle n'est pas donnée à tout le monde, surtout si vous débutez. Les genoux peuvent être sensibles, donc dans ce cas-là, on va le faire tout simplement. On se met pieds joints, on s'abaisse et on avance tout doucement. Ça, ce sera le canard. C'est censé bien faire chauffer les quadriceps. Mais le canard ici est bien plus exigeant. Et on va faire chauffer les tibiales aussi à l'avant des tibias. Ensuite, ce sera le kick-up ou le donkey kick un petit peu. C'est je mets les mains au sol. Et j'essaye de faire décoller mes deux pieds, un pied puis l'autre. Et j'essaye, donc si je ne suis pas du tout en confiance, je me mets contre un mur. Si je suis confiant, je fais comme ça et j'essaye, pourquoi sans pas. Sans forcément aller trop haut. Voilà. Et par contre, ce qui est important, c'est bien d'engager les abdominaux pour pas que le dos soit cambré. Tu peux nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Bon, déjà, ça vous fait partir en arrière.
Et puis en plus de ça, si vous n'avez pas de contrôle dans les abdos et que vos jambes partent vers l'arrière, vous allez vous abîmer le dos. Mais disons, même si vous êtes là, vous mettez tout le poids devant, enfin, sur les mains, et vous essayez simplement de faire un kick-up comme ça. Ce sera déjà très exigeant. Ça va vous cramer les épaules en élévation. Ok, ensuite le scorpion. Scorpion. Je me mets de face pour que vous voyez à quoi ressemble le scorpion. Le scorpion, c'est comme le chat. Sauf qu'au lieu d'aller tout droit, on va aller sur le côté. Mais pour aller par là, je vais soulever mon pied gauche. Donc pour aller à droite, je soulève mon pied gauche. Je le tourne. Look. Et j'arrive en crabe. Et je retourne pour arriver en... Comme un tonneau. Voilà, comme un tonneau. Donc je soulève mon pied. Ça, c'est la queue du scorpion, le pied. J'arrive en crabe et je me tourne. Donc je soulève mon pied. La difficulté ici, c'est de vraiment soulever comme si c'était un pic pour venir taper, piquer. Bien sûr, en retenant. On essaye de contrôler, bien sûr. Au début, ça peut être limite du balistique en mode... Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de contrôler, avoir un bon contrôle moteur. Et de travailler dans la lenteur. Ok, ensuite l'asticot. L'asticot, tout simple. On part de la planche, on vient amener les pieds aux mains et les mains. On revient en planche. Les mains aux pieds, les pieds en planche. Si vous pouvez vous avancer, mais là on fait que des allers-retours. Donc là ça va être gainage, épaule. Donc faire attention à ne pas cambrer le dos quand on revient, on prend en planche. Le monkey. Le monkey. Le célèbre monkey. On se met en squat bas, donc si vous pouvez, hein, vous mettez les talons au sol avec le dos le plus droit possible. Ça, c'est la version vraiment très exigeante. Sinon, vous avez les talons décollés du sol. Et l'idée, c'est de poser les mains sur le côté et de passer les jambes de l'autre côté. Donc, je pose mes mains, je mets mon poids sur mes mains, mes pieds sautent pour passer de gauche à droite. Et... Donc ça, c'est une version assez simple ici, où j'ai vraiment mes talons qui sont décollés du sol. Mais si vous voulez plus de challenge, vous pouvez le faire à la deep squat, où là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Ensuite, vous le dragon. Et vous pouvez aussi complexifier avant de partir sur le dragon, en levant les fesses le plus haut au ciel. Mais là, c'est aussi beaucoup plus dur. Le dragon. Le dragon, c'est aussi ce qu'on appelle un petit peu le révérend squat, sauf qu'on va le faire en marchant si possible. Donc le squat révérence, c'est on part debout, voilà. Avec ma jambe gauche, je vais venir la poser derrière, à droite de ma jambe droite, et essayer de venir poser le genou. Donc je soulève ma jambe droite, je la mets derrière ma jambe gauche, je la pose à gauche de ma jambe gauche. Et j'essaye de faire mon squat ici. Ça va tirer dans la... Enfin, ça va être exigeant dans les fesses. Faire attention ici au niveau des genoux. Hein. Si on sent qu'on ne peut pas aller trop bas, on n'y va pas. On y va doucement. Enfin... Et enfin, l'ours. Et donc là, je l'ai fait sur place, mais l'idée, ça sera de marcher avec, si vous avez de la place. Sinon, ça se fait aussi sur place. Hein. Une révérende squat ou un dragon à gauche, un dragon à droite. La version la plus dure, c'est d'essayer d'avoir le pied tendu. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui sont chaud de night. Ensuite, l'ours. L'ours, pour le, ça sera le dernier mouvement. Ça sera soit l'ours, soit une marche libre de votre choix. Mais l'ours, c'est comme le chat, sauf qu'on lève les, on tend les jambes. Voilà. Donc là, le point important, c'est de bien serrer les abdominaux, rentrer le ventre et repousser le sol avec... Toujours ce mouvement de répulsion des omoplates. Voilà. Eh bien, les amis, on va pouvoir commencer. Je me suis fatigué, mais c'est Mélissa qui va faire le WOD avec vous. On enclenche le chronomètre. Et je vais vous annoncer à chaque fois. Donc, on a 50 secondes d'exercice et 10 secondes de repos. Ou dans ces 10 secondes de repos, je vous annonce le mouvement suivant. N'hésitez pas à faire des petites pauses, si jamais c'est trop cramé dans les épaules, parce que ça va cramer les épaules. Voilà. Donc là, même ça va si être... vous avez mal au poignet, n'hésitez pas à faire des petites pauses. Voilà, ça va être assez exigeant. J'espère que vous avez fait les mouvements en même temps que nous pour rester bien chaud. Et juste petite précision,
Dans toutes les marches d'animaux, quand vous avez les mains au sol, essayez d'avoir le creux du coude non pas vers l'intérieur mais vers l'extérieur. Vers face à vous un petit face peu. Face à vous. Pour le verrouiller. Enfin oui, voilà, vers l'avant pour bloquer l'articulation et pour être plus fort et plus stable. Voilà. Ok, ça marche. On part dans 10 secondes. Respirez, ça va être du croco. Sur place ou en marchant, avec la pompe ou non. 3, 2, 1, c'est parti. Respirez bien. Engagez bien les abdominaux, transverses, périnées. Et il vous reste 25 secondes de travail. Si vous avez des douleurs dans les poignets, relevez-vous, malaxez les poignets et repartez sans vous précipiter. Là, on travaille en contrôle, hein, c'est pas du cardio, c'est vraiment du contrôle moteur avec de la résistance musculaire. 5, 4, 3, 2, 1, reposez-vous 10 secondes et nous allons partir sur le crabe. Non, 3, 2, 1, 50 secondes de crabe, c'est parti les amis. Dites-vous que là, c'est la partie la plus simple. Hein. Après, il y a les 5 minutes de burpees. Ouais, ça, c'est, on n'en parle pas tout de suite. Hein. On ne veut pas vous fâcher. Du coup, Étienne a dit qu'il était intéressé pour des séances spéciales inversion. Et Renaud nous dit, autant le sang dans la tête ne dérange pas. En mais il a peur handstand. Pour ses cervicales. Par contre, la puce tête me fait trop peur pour les cervicales. Tout à fait. Si tu découvres le mouvement, on te conseille de le faire à tête reposée, comme on... bon jeu de mots. Mais vraiment, voilà, de le faire prudemment. Il s'auto-congratule. Et dans 6 secondes, c'est terminé pour ce crabe. 3, 2, 1. Rest 10 secondes, les amis. On va partir sur le chat. Dans 3 secondes, c'est parti. Oh, c'est un beau petit chat appliqué. Pensez au thème de la séance du jour, l'animalité. Vous êtes un fauve. Essayez pourquoi pas d'amener de la fluidité d'un félin. Cette fluidité est au service non pas d'un jeu de rôle, pourquoi pas, hein, ça peut être un jeu de rôle, mais elle va surtout être au service de la qualité du mouvement. Oh, quel beau lever de pied, Mélissa. Comme un cheval qui imiterait un chat. Pardon, belle image, merci Mélissa. Un chat qui imiterait un cheval. Tu sais, les chevals de... Deux. Un. Voilà. Allez, les beaux poneys. Les poneys, voilà. C'est quoi ensuite? Alors, ensuite, les amis, c'est le canard. Dans 3 secondes. On laisse un peu reposer les bras. Ah, le canard. Je passe de l'autre côté. Respirez bien, pensez. C'est le plus important, la respiration ici, même lorsque l'on découvre un mouvement. Surtout lorsqu'on découvre un mouvement, en fait. Il vous reste 20 secondes, les amis. Remontez, hein, bien sûr, si vous, la position trop proche du sol vous fait mal. Remontez surtout, ne vous abîmez pas vos petits genoux. Si ça a l'air ridicule... Vous allez voir que ça chauffe. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Reposez-vous 10 secondes. On va partir sur le kick-up. Donc les montées en handstand. Donc, mettez-vous soit contre un mur, soit où vous voulez. Inutile. Si vous ne maîtrisez pas le mouvement, ne montez pas aussi haut que Mélissa, bien sûr. Vous pouvez laisser la jambe qui kick monte, l'autre jambe elle peut rester vers le sol pour faire le contrepoids et pas que vous basculiez vers l'arrière. Et essayez d'atterrir en douceur. Au début, hein, vous allez être des... si vous découvrez le mouvement, c'est tout à fait normal que vous atterrissiez en fracas. C'est normal. C'est,
le mouvement et l'apprentissage est nécessaire pour maîtriser cette descente lente. Allez les gars, on envoie. Et les filles. Et les filles. Oh là là. 2, 1, reposez-vous 10 secondes. On va partir sur le scorpion. Si il est trop technique pour vous, faites simplement de l'alternance chaque rab. Voilà, mais ça lève la jambe. Elle essaye de contrôler, elle atterrit en crabe et elle revient en chat. Lève la jambe, on atterrit. Encore une fois, hein. Transition chaque rab si le scorpion vous paraît bizarre. Si vous ne voyez pas ce que ça travaille, on fera une vidéo complète sur chaque mouvement très prochainement. Encore 20 secondes. Soufflez bien. Et 10 secondes. On a dépassé la moitié de ce WOD Animal Walks. 3, 2, 1, respirez. Ce sera l'astico dans 7 secondes. L'astico, essayez de vous focaliser vraiment sur les épaules et les abdominaux. Si vous sentez que vos lombaires vous lâchent, faites un simple gainage planche en surélevant un petit peu les fesses. Comme ça, vous protégerez vos lombaires. Ça va, Mélissa ? Ça va. J'ai soif. Allez, encore 17 secondes. Poussez bien le sol avec vos mains lorsque vous utilisez ici la remontée comme Mélissa. Et engagez bien le transverse. 3 secondes. 2, 1. Respirez. Il vous reste 3 mouvements, les amis. Le prochain ? Le prochain, c'est le singe, le monkey. Oh là là. Pour les cuisses et aussi les épaules. Je sais pas vous, les amis, mais alors moi, les épaules là. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà des courbatures avant. Les épaules, ouais, c'est normal qu'elles chauffent. Pardonnez-nous s'il y a du vent, mais l'appart s'envole. Encore 30 secondes. Essayez d'amortir, si vous voulez en fait accentuer le travail sur les cuisses, essayez d'amortir la descente. Ça fait vraiment du squat excentrique. Et c'est assez... assez surprenant de voir qu'on peut se cramer les cuisses de cette manière. Oula. Encore 7 secondes. 5, 3, 2, 1. Reposez-vous 10 secondes. On part sur le dragon squat ou le dragon ou le révérend squat. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tu peux aller chercher un peu plus loin derrière. Fais un coup à gauche, un coup à droite. Voilà. Va chercher un peu plus loin derrière. Voilà, c'est un peu comme une fente mais tordue. Et tu vas venir chercher dans la fesse comme une fente. Essaye de rester de face. Voilà, c'est ça, voilà. Tu restes de face. Et on essaye d'aller chercher le plus loin possible sur le côté. Le poids est vraiment réparti sur la jambe de devant. Hein. Voilà. Si vous voulez vous challenger, vous pouvez le faire sans toucher à l'arrière peut-être. Voilà, après c'est vraiment du dragon, c'est beaucoup plus technique. Reposez-vous pour le dernier mouvement, donc l'ours ou marche libre pendant 50 minutes si vous vous laissez... 50 minutes 50 minutes de... Tranquille, 50... tranquille. 50 secondes, donc d'ours, comme ça, ou donc là, mais ça, les jambes tendues, mais vous pouvez faire un ours qui a simplement les fesses en l'air. Tout à fait. Et vous, donc si vous ne voulez pas faire l'ours, vous pouvez aussi faire n'importe quelle marche, en changer aussi. Allez, encore 22 secondes, les amis, avant que ce WOD se termine.
Concentrez-vous bien vraiment sur vos sensations dans les épaules et dans les abdominaux. Ah ouais, les abdos là. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et soufflez. Marchez un peu, marchez. Les jambes, les bras. Alors, comment c'était? N'hésitez pas à nous mettre en commentaire hein, si vous avez senti vos épaules, les abdos, etc. J'espère que vous n'êtes pas fait mal non plus. On va donc marcher, buvez un coup. Moi, je vais préparer le chrono pour le 7 minutes burpees. Même si Mélissa, tu penses pouvoir nous le faire, le 7 minutes burpees hein, le chrono, oui. Le chrono? Ok, Mélissa va s'en occuper dans ce cas. Moi, je vais me réchauffer pour partir. Mais pourquoi sur des bonnes bases. Un chrono, bah pour que tu puisses le faire à l'afficheur, pour que tout le monde puisse le voir. Oui, oui, tout à fait. Pendant que vous reprenez vos forces et que vous vous réhydratez, je vais vous montrer le burpees, juste pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un burpees. La version la plus simple du burpees, on commence debout. L'idée, c'est de faire une pompe et un saut. C'est ça le burpee, c'est cette combinaison-là. Donc on part de debout, on vient faire un squat, on pose les mains au sol, on met un pied puis l'autre, on peut aussi mettre les deux en même temps. On a le dos toujours droit, courbure naturelle, les abdos engagés. La pompe, on souffle bien quand on pousse. Et là, pareil, soit un pied puis l'autre, soit les deux pieds en même temps et on saute. Pour qu'il soit validé officiellement, il faut lever les bras au-dessus de la tête. Donc essayez de faire le burpees complet. Je vous invite là d'ailleurs hein, pour l'échauffement à en faire quelques-uns avant de partir sur le 7 minutes burpees. On pose les mains au sol, on jette les pieds derrière, on fait notre pompe, on ramène les pieds, on saute avec les mains devant soi, enfin en haut. Ça c'est la version vraiment qui va tabasser sur 7 minutes si vous la gardez. Essayez de garder la même version tout du long si vous pouvez. La version la plus simple, ça va être de venir et de ne pas faire la pompe, mais de garder le saut. Sur l'atterrissage, hein, on atterrit aussi en amortissant. On essaye de ne pas atterrir sur les talons. Et il y a une version encore plus simple, c'est on met les genoux au sol, et on revient et on saute. Après, voilà, vous pouvez modifier en fonction de ce que vous pouvez. Commencer avec des pompes, puis les enlever, etc. L'idée de ces 7 minutes burpees, c'est vraiment de se cramer. Niveau cardio, ça va être intense. C'est un des exercices vraiment les plus intenses cardio-musculairement, enfin cardiovasculairement. Et, et on est parti. Et on est parti. J'ai essayé de meubler pour pas y aller parce que il me fait un peu mal. À chaque fois, il me fait mal. Tu vas y aller, tu vas y aller. D'ailleurs, j'en profite, pardon. Indicatif, juste les niveaux, on va dire. Essayez de viser si vous êtes... le niveau facile, on va dire, ça va être essayer de viser 70 burpees en 7 minutes. Je pense que tout le monde peut le faire. Tout le monde, entendons-nous. Tout le monde a un niveau... 10 burpees en 1 minute, ça va quand même. Ça va, voilà. Vraiment, même ensuite, débutant, la barre descend, ça commence à être plus chaud. Et le top du top de record, c'est 140. Donc, essayez de... Enfin, là, il faut cravacher pour les avoir, les 140. D'ailleurs, on ne peut pas compter pour vous, donc n'hésitez pas à compter vous-même combien de burpees vous faites. C'est nous qui gérons le time. Ça. Moi, je vais essayer. Et puis, vous nous direz en commentaire. De ne pas les compter trop fort pour ne pas vous faire perdre le fil. Et j'en profite du coup, pendant que vous faites comme Benjamin, que vous vous réchauffez avant de partir sur les 7 minutes, pour vous dire que la semaine prochaine, le cross training, ce sera sur le thème du cardio et avec une séance Apocalypse Day. Donc. Voilà, ce sera, on va y... J'ai perdu le mot. Zombieland. Zombieland, voilà. Invasion, voilà, merci. Allez, c'est parti. On va partir dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Allez, courage. Sur les prochaines séances, quand on a des WOD comme ça, n'hésitez pas à mettre de la musique chez vous. Parce que nous, on ne peut pas en mettre sur YouTube.
Après, si vous souhaitez que je chante, vous me le direz après en commentaire. Mais n'hésitez pas à vous créer une petite ambiance. Ça motive. Allez, courage! On respire bien, on prend l'option qui vous convient. Et on est déjà à 1 minute. Voyez, ça passe vite, il en reste 6, ça va. Allez, on lâche rien, t'en as combien Benjamin? 34. C'est bien, on est à 1 minute 30. Oh, ça fait pas le focus donc. Tant pis. Petite pause, micro-pause. Les amis. Allez, courage, on est à 3 minutes. Vous êtes presque à la moitié. Allez. Je le fais pas avec vous, mais je souffre avec vous. Je sais ce que c'est, je l'ai déjà fait. Je respire. Très important, respirer. Allez, on est à 4 minutes 20. Allez, on y va. 4 minutes 30. Il vous reste 2 minutes et 30 secondes. Vous avez fait les deux tiers. Allez, on change de sens. Pour le plaisir. C'est parti. Buvez un coup si nécessaire. Pas trop parce que faire des burpees avec le ventre plein d'eau, c'est pas terrible. En tout cas, en termes de sensation, si ça vous fait rien, n'hésitez pas à boire. Allez, courage. On est à 5 minutes. Plus que 2 minutes. Combien t'en es, Benjamin? 102. 102! Waouh! T'es trop fort! Ah. Y'a Bruno?
Il dit, allez, courage, mon fils, courage. 5 minutes 30. J'ai perdu le compte. 110, on va dire. 108. Prenez les options, hein. Ne vous abîmez pas les lombaires. Serrez les abdos. Contrôlez le mouvement. Même s'il est rapide, même s'il est dur, contrôlez-le. Donc si vous ne le contrôlez plus, c'est que vous devez passer à l'option du dessous. 6 minutes, allez, c'est la dernière minute. Il nous reste 60 petites secondes. Allez, courage. Après, on n'en on va dormir. On va manger d'abord. 40. Oui, manger. Il reste combien de temps? Bah, je suis en train de le dire. 30. Il reste 30 secondes. Allez, on met un petit coup d'accélérateur si on le peut et seulement si on le peut sur les 20 dernières secondes. Allez, courage, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Oh merde, oups, pardon, crotte, oh là là. Marchez, marchez. Oh là là, c'est pas... ça va pas là. Oh. Marchez, soufflez surtout, ne mettez pas la tête en bas, ne vous allongez pas, buvez. Oh. Bon. Je sais qu'on n'a pas forcément envie, mais pourtant c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors c'est l'un des WOD les plus répétitifs qui existent, mais c'est aussi le plus intense. C'est pour ça qu'on vous fait faire, qu'on vous le propose et qu'on le partage avec vous. C'est assez la folie. Ok, respirez. Encore une heure ou deux, ça ira mieux. Mélissa, qu'est-ce que tu veux nous préparer? Ah bah c'est toi qui fais le petit retour au KLM, non? On va faire ça alors. Je vais boire un petit godet et on va continuer. J'ai la salive plein la bouche. N'hésitez pas à nous dire combien vous avez fait de burpees sans avoir peur d'être jugé. Si vous en avez fait 50, c'est pas grave. Le tout, c'est déjà 50 burpees, c'est énorme. Ah, c'est bon. Donc n'hésitez pas à nous dire, à nous partager. Bravo, bravo. Et bravo déjà, on peut vous applaudir. Ouh. Eh ben ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation-là. Dans l'œsophage, cette sensation de gorge sèche et en même temps là, ce poumon qui a l'agonie. Comme si on venait de fumer un gros paquet de cigarettes. C'est un peu ça, c'est normal si vous avez cette sensation. Voilà. Si quand vous inspirez profondément, vous sentez les poumons complètement asphyxiés, c'est normal. Alors les amis, on va faire tout simplement quelques postures, dont celle du... chiot ou de l'enfant. De l'enfant. Mais d'abord, on va partir sur le cobra. J'ai besoin encore quelques secondes. Prenez tout votre temps. On va faire cobra et enfant, donc le cobra. Bravo à vous, hein, parce que c'est vrai que nous, comme on est deux, on se partage le boulot. Mais vous avez fait les deux WOD, donc bravo. Voilà, pour le cobra ou pour le sphinx. Hein. Là, les épaules loin des oreilles. Donc on a fait beaucoup de flexion avant, là, pendant ces burpees. Et même, on a fait beaucoup de marches quadrupédiques face au sol. Du coup, là, on va faire un petit peu d'extension de colonne. Où je vous invite à soit être statique, enfin je peux pas me mettre, soit être statique sans qu'il y ait de douleur dans les lombaires, hein, pas de pincement. S'il y a des pincements, bah c'est que vous êtes un peu trop haut, revenez plus bas.
Et je vous invite à faire aussi ce petit mouvement de roulis avec le bassin de gauche à droite. Et vous pouvez vous rallonger. Ah Bruno, on compte sur vous hein, pour nous dire combien vous aurez fait de burpees. Ouh là 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 là. Voilà, et là, vous allez partir de cette position allongée, ventre au sol, pour pousser et venir vous asseoir sur vos talons. Avec les mains en l'air, dans un premier temps. Oh les mains, peau de lapin. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Moi j'aime bien le faire 2-3 fois par an pour, vous, pour voir où j'en suis un petit peu en cardio. Du coup, combien as-tu fait de burpees, Benjamin? Je crois à peu près 132. Waouh. Mais ils étaient un peu foirés à la fin. Mais vraiment, j'ai plus de souffle. Enfin, j'ai cette sensation de douleur dans les poumons. Respirez profondément. Vous pouvez ramener les mains aux pieds. Essayez de reprendre une respiration normale. Vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite. Si ça vous fait du bien dans les hanches, moi je sais que ça me fait du bien, ça mobilise un peu en même temps. Et doucement, on se relève. Et on va terminer sur ça. Donc les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à prévenir vos potes. Qu'il y a des lives les mardis soirs et un samedi sur deux sur YouTube, qu'ils sont intenses, qu'ils sont fun, si toutefois vous le pensez. Et comme ça, on pourra faire du sport encore plus nombreux, et ce sera trop génial. Et puis n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, à vous abonner, à aller voir les autres vidéos qu'on propose. Voilà. On espère en effet que ça vous a plu. La séance est terminée. Vous pouvez continuer si vous voulez, parce que là, le retour calme est calme, enfin, est court, je veux dire. Et vous pouvez le prolonger encore 5 petites minutes en vous allongeant, en regardant le plafond et en respirant un petit peu. Là, ça va. Moi, je sais que c'est ce que je vais faire derrière, je pense, parce que j'en ai un peu besoin. Et puis, si vraiment vous êtes Team Green Motion à fond, sur notre chaîne YouTube, vous avez une cohérence cardiaque et une méditation si vous souhaitez finir la séance comme ça. Ça peut être sympa pour revenir à un état normal avant d'aller manger et se coucher. Tout à fait. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On a des vidéos YouTube qui arrivent très prochainement. Beaucoup de vidéos. Qui ne seront pas en live cette fois-ci. Tout à fait. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. On vous fait des gros bisous. On vous dit bon repos. Enfin, on vous souhaite un bon repos. Ah, si, une dernière petite chose. Un samedi sur deux, il y a des lives mouvement naturel sur la chaîne Green Motion YouTube. C'est ce samedi. Ce samedi-là, il y a un live. 10h45. Voilà, sur le thème back bend. Donc, c'est extension de colonne vers l'arrière. Et. Ouverture d'épaule, back bend et. Flow animal. Voilà. Ok, bon, eh bien, je vous dis à très vite. J'espère que ça vous a plu. Et on se laisse sur ces quelques mots de Mélissa. Bonne soirée. Ciao, les Green Movers. Ciao.